1919 Concept, qui est la routière de demain. Alors là, il y a un petit film qui va passer, vous allez voir, il est très marrant. Ça va vous rappeler votre vie quotidienne. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, mort, ça veut dire plus. Il y a en gros ce mot-là dans le film. Et est-ce que plus, c'est déjà assez? Voilà, c'est les deux phrases compliquées du film. Today, you feel like you're already doing too much. Tomorrow, you'll have to do even more. Always more. More meetings, more video meetings, more messages, more emails. You'll be asked to have more ideas, be more productive, be more reactive, with more and more time dedicated to being occupied. But you'll also have to have more desires, more passions, more outings. You have friends? Make more. And show the world more of you having more fun. And no matter who you are, you will have to do more. Frenzy. Getting out of the city will not be a getaway, but a need to take a deep breath. At Citroën, we believe comfort can transform the road into a voyage. Introducing Citroën 1919, the first full electric and autonomous concept car, all led by a well-being-focused AI, a beyond urban concept car that cares about revitalizing you. Citroën 1919 concept. When comfort transforms the road into a voyage. Inspired by future you. Voilà. Alors on va parler un peu de cette voiture. L'idée, c'est vraiment de changer l'approche de la longue distance, essayer de faire quelque chose d'extrêmement confortable. Et le confort, c'est la marque de fabrique de Citroën depuis 100 ans. Alors, je vous parle un peu de ce véhicule. Il est assez révolutionnaire parce que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'aéronautique, c'est un cockpit cette voiture. C'est-à-dire que la cabine elle est flottante, ce qui permet de faire un véhicule extrêmement confortable. Il est extrêmement silencieux parce qu'il est électrique, mais aussi parce qu'il a été conçu silencieux. Il est également ultra confortable. Nous on est une marque française et vous savez que nous français on attache beaucoup d'importance à la vie ensemble, au bien-être. Et c'est vrai que et les entreprises françaises sont très fortes en matière de mobilier. Donc on a un véhicule très confortable avec des sièges qui sont différents les uns des autres et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le plus important c'est pas la conduite, en fait c'est le partage, le moment qu'on vit ensemble dans cette voiture. Et effectivement il y a des vitres partout, donc il est extrêmement lumineux, on voit partout. Parce qu'on n'a plus que ça à faire. Vous savez pourquoi? Parce que le véhicule, il est autonome. Donc c'est ça le truc. Il est autonome et évidemment, il est 100% électrique. Mais c'est pas tout. Il a une autonomie de 800 km qui vous permet de faire Paris-Biarritz. Ou si vous n'aimez pas Biarritz, vous allez à l'île de Ré, c'est moins loin. Ça fait quand même 600 km, 500 km. Et vous pouvez y aller d'une traite, pas besoin de recharger au milieu. Et vous n'êtes même pas crevé, c'est même pas la peine de faire une pause. Vous savez, le truc vous dit faites une pause, vous n'avez pas envie de faire une pause, vous avez envie de continuer. Eh bien, vous ne ferez pas de pause, donc vous irez au bout. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, comme il est autonome, il est piloté par l'intelligence artificielle, et donc vous ne conduisez plus, vous ne faites plus rien, vous vous reposez. Vous avez vu, sur les portes, il y a des étagères, vous pouvez lire des bouquins, il y a un écran géant dans la voiture, vous avez accès à Internet, vous avez accès à Netflix, vous avez accès à Apple TV, vous avez accès à tout ce que vous voulez. Vous pouvez partager avec des potes sur les réseaux sociaux, des informations, des photos, tout. Et donc, vous allez arriver apaisé, pas du tout crevé pour profiter de vos vacances ou d'un rendez-vous professionnel. Voilà, donc vous voyez, Citroën, c'est vraiment la marque de l'innovation, la marque de la disruption, comme on dit aujourd'hui. On aime bien travailler avec des startups. Donc on est venu avec des startups. Donc Free2Move, c'est notre agrégateur de mobilité. C'est un peu technique ça. Ça par contre, ça va vous intéresser. Vous savez que quand on a été enfant, moi j'ai été enfant il y a 30 ans à peu près, enfin même 40 je crois, j'étais malade en voiture. Donc on a travaillé avec une startup qui s'appelle Boarding Ring qui est là, regardez comme elle est très très jolie cette jeune femme avec ses lunettes. Et bien ces lunettes là, ça enlève le mal des transports, c'est à dire quand vous avez lu trop votre écran, ou vous avez regardé un film, vous avez lu un bouquin, vous avez un peu envie de gerber, hein, et bien vous portez ces lunettes pendant 10 minutes et vous n'avez plus de mal, c'est pas une blague, c'est très sérieux.
et vous n'avez plus du tout envie de. Vous n'avez plus mal des transports. Voilà, on les vend à la boutique et la start-up est là, Boarding Ring. Ils sont tout long dans le sud de la France, ils vont vous expliquer comment ça marche. Ensuite, vous savez que, et vous êtes très concernés par ça, aujourd'hui vous utilisez des sites internet. Demain, il n'y aura plus de site internet, ça sera vocal. Vous ne taperez plus je cherche tel site. Terminé, vous le direz à l'oral. L'assistant vocal. Donc on développe le futur site internet de Citroën, il est là, on travaille. C'est Pierre et Laurent qui sont au fond, ça s'appelle Citroën, allez les voir, c'est marrant ce qu'ils préparent. Ensuite, il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, on achète des voitures dans des concessions, demain on continuera de le faire, et on aura aussi la possibilité de les acheter 100% en ligne, un peu comme sur un Apple Store par exemple. On présente ça aussi ici. Et puis, vous savez que les voitures électriques, elles ne font pas de bruit, ce qui peut être vachement dangereux d'ailleurs. Donc il faut faire un bruit, mais aujourd'hui elles ont les bruits de soucoupe volante. L'idée c'est de leur donner un bruit sympa. Là on a une équipe qui travaille sur les bruits sympas, qui est là, avec Domiti qui vous fait des signes. Ouais. Et puis, ouais, ça c'est un truc pour les journalistes, je crois pas qu'il y en ait beaucoup là, mais on a développé un agrégateur de contenu qui permet aux journalistes de gagner beaucoup de temps. Ça s'appelle The Citroenist Editorializer, c'est un peu anglais, mais ça marche vachement bien et on s'est présenté ici, là, sur ce chalet qu'elle a. Voilà, on vous remercie, merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus, et surtout n'oubliez pas d'acheter de Citroën, ça mange pas de pain. Voilà, merci, au revoir.